Bonjour à tous. Alors, je vais partir sur ma présentation. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de FireDAC pour la VCL. Je vais faire une petite introduction et puis on rentrera un petit peu dans la description du framework et des historiques de framework de base de données sur Delphi avant d'attaquer quelques démonstrations de codage. Donc, hop, alors d'abord, je suis prestataire informatique dans le cadre de la société Off Software. Et comme l'a dit Maxime, on fait essentiellement maintenant de la formation autour de Delphi et des technologies web. Donc n'hésitez pas à me contacter en direct ou contacter Maxime Capello via Bernstein pour voir tout ça si vous avez des besoins spécifiques. Je suis un ancien utilisateur de Turbo Pascal. Donc en gros, ça fait maintenant plus de enfin, quasiment 30 ans que je fais du Pascal. J'ai flashé sur Delphi quand il est sorti, puis ça m'a permis d'éviter de faire du C et tous les autres langages un peu trop proches de Windows 3 à l'époque. Et j'édite un blog qui s'appelle developer-pascal.fr sur lequel je parle de Delphi, de développement Pascal et d'un petit peu toute l'actualité au fur et à mesure. Bon, évidemment, vous aurez la présentation à disposition téléchargement comme la partie, enfin comme la vidéo si elle passe correctement. Alors, passons rapidement. Alors, donc vous avez plusieurs versions de Delphi. Et ce que je dis pour Delphi là va être valable aussi pour C++ Builder, qui peuvent être l'un et l'autre intégrés dans RStudio. La licence académique, dont Maxime vient de parler pour tout ce qui est enseignement et étudiants. La Community Edition, qui est gratuite, avec une licence commerciale limitée. Donc vous avez l'équivalent des fonctionnalités de la version professionnelle, mais pas le droit de l'utiliser en tant que. En tant qu'entreprise, si vous dépassez 5 000 dollars de chiffre d'affaires annuel. Par contre, en particulier pour s'amuser ou pour faire l'open source des jeux et ainsi de suite, il n'y a aucun problème évidemment. Et nous avons pour les entreprises, les professionnels, enterprise, architecte, qui sont trois licences avec des fonctionnalités supplémentaires en fonction des niveaux, et l'architecte qui inclut aussi des logiciels de base de données et plein d'outils, dont prochainement une licence développeur pour XTGS. Alors, la VCL, qui est donc la Visual Component Library, est disponible en 32 et 64 bits dans toutes les versions de Delphi. Et FireDAC est également disponible désormais dans toutes les versions. Il ne l'était pas dans la Starter qui a disparu en décembre, en juillet, remplacé par la Community Edition. Par contre, FireDAC n'a pas exactement les mêmes composants suivant l'édition qu'on choisit. Donc, ce que je vais vous dire jusqu'à aujourd'hui passera sur toutes les versions que vous avez. Que ce soit la community ou l'architecte. Alors, petit historique des frameworks de base de données qu'on a pu voir dans Delphi depuis l'origine. Donc, le premier, ça a été le BDE, le Borland Database Engine. Ensuite, on a eu ADO, DB Express, des composants dédiés à Interbase dès que Interbase est sorti, et FireDAC. Il y a bien entendu des éditeurs externes qui font aussi des composants spécifiques pour accéder à des données. Qui sont soit leurs bases de données comme ElevateDB par exemple, soit des bases qui ne sont pas fournies par Embarcadero comme pour des accès à à DB de 400 pour les utilisateurs d'AS400. Oui, alors si vous cherchez une base qui n'est pas fournie avec FireDAC, n'hésitez pas à contacter Bernstein qui a des contacts auprès de quasiment tous les éditeurs qui travaillent avec Embarcadero et donc qui pourront vous donner les informations nécessaires. Pour le BDE, donc c'était un vieux système, mais qui était le premier à permettre d'accéder facilement à des données par l'utilisation de composants. Il n'est plus supporté officiellement par Embarcadero, mais toujours disponible. Donc on l'a en téléchargement possible depuis la liste des fichiers téléchargeables sur le site community.embarcadero.com. Évidemment, il n'est pas recommandé de s'en servir, puisque de toute façon, il y a des petits soucis sur Windows 10 à cause des problèmes de configuration du système. Et de toute façon, il ne permettait essentiellement d'accéder qu'à Paradox, des bases et à des drivers ODBC. Donc, ces systèmes-là sont évidemment accessibles depuis toutes les autres, depuis les bases de données et des systèmes de framework plus récents. Le BDE avait obligatoirement un runtime pour être utilisé sur les ordinateurs sur lesquels on a installé nos applications. Donc c'est du Windows 32 bits, donc pas du multiplateforme.
On a ensuite eu ADO, qui était en fait un système de composants équivalent à ceux du BDE, qui permettent d'accéder à la technologie OLE de Microsoft. Je vous remontrerai rapidos les composants tout à l'heure, hein, même s'il n'y a pas. Normalement, ils ne sont plus censés être utilisés non plus. Pareil, Microsoft étant fait disparaître au fur et à mesure OLE et tout ce qui était vieille techno pour accéder à ces API. Ce qui est composant ADO est utilisable en 32 et en 64 bits, ce n'est pas du multiplateforme non plus. Ensuite, on a DB Express. Alors là, c'est ancien aussi, mais à la fois récent. Donc ce sont des composants qui fonctionnent à peu près pareil que les deux frameworks précédents, sauf qu'ils sont plutôt dédiés à des bases SQL. Et ils ont été adaptés au fur et à mesure des évolutions de Delphi et de C++ Builder pour fonctionner en multiplateforme. Donc certains composants DB Express peuvent être utilisés sur iOS, Android, Linux, Mac et Windows, en fonction des compilateurs qu'on a et de la version de Delphi que l'on utilise. Enfin, quand je dis Delphi, pareil, c'est pas, c'est la même chose pour C++ Builder et RADstudio. Hein. Ça dépend juste de l'édition sur laquelle on est. Donc DB Express, voilà, je crois que j'ai tout dit. Si DB Express, c'est la base de la techno DataSnap. DataSnap, c'est un système créé par Borland à l'époque, qui s'appelait Midas, qui permet de faire de l'accès à distance à des bases de données ou d'appeler des procédures distantes. Donc DataSnap a bien évolué pareil, et maintenant il passe en TCP/IP, ça permet de faire des appels en REST ou autre. Vous pouvez regarder le webinaire qu'on avait fait en juillet là-dessus si vous voulez. Il y avait quelques exemples sur l'application Note de frais. Pareil, vous aurez les liens sur le blog si vous allez chercher ou en nous contactant évidemment. L'accès aux bases de données en fait avec DB Express, ce sont des bases de données locales ou client-serveur. Évidemment, pour les bases client-serveur, il faut le client de l'éditeur de base de données. Donc vous avez un driver à installer en fonction des bases auxquelles vous accédez avec les limites de licence liées à l'éditeur de la base de données. Voilà, les composants interbase maintenant. Donc ceux-là, on les a depuis que Interbase est sorti. Ils fonctionnent globalement bien aussi avec Firebird, qui était un fork d'Interbase 5, si je ne me trompe pas, qui évolue de son côté, mais qui essaye de rester compatible avec les API d'Interbase. Et ces composants sont appelés TIB quelque chose dans la liste des composants fourni avec Delphi. Évidemment, si vous n'utilisez pas Interbase, ces composants n'ont aucun intérêt pour vous. Et si vous voulez changer de base de données à un moment ou à un autre, évitez d'utiliser ceci, puisqu'évidemment, ils ne fonctionneront qu'avec Interbase. Par contre, ils donnent un accès direct à l'API d'Interbase, donc plus de fonctionnalités qu'on pourrait avoir avec des composants du BDE ou DB Express, par exemple. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire FireDAC. Alors, FireDAC, c'est un ensemble de composants modernes. Ça a été racheté il y a quelques années et intégré, si je ne me trompe pas, dans la version XE ou XE2 de RADstudio Delphi C++ Builder. C'est un ensemble de composants assez évolutif. En fait, il est créé sur plusieurs niveaux. Je vais vous les montrer rapidement après. Et ces composants sont multiplateformes, donc ils fonctionnent sur toutes les plateformes sur lesquelles Delphi permet de compiler. Donc iOS, Android, Mac, Windows et Linux. Donc FireDAC, normalement, c'est pour accéder à des bases de données en SQL. Évidemment, on peut y accéder séquentiellement pour les bases non. Enfin, pour des bases SQL avec les TF des tables, ou directement en tapant des requêtes SQL en sélection et en mise à jour. C'est pas simplement des accès à la base de données, ce sont aussi des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur toutes les bases de données. En fait, FireDAC, c'est un ensemble de composants d'accès aux données, plus des fonctionnalités qui sont gérées au niveau de la connexion. On a notamment des composants de copie de données d'un format à l'autre, ou d'une base de données à l'autre, pour faire des duplications de tables ou des transferts d'informations d'une application à une autre, notamment en pratique pour faire de la synchro de données. On a la possibilité de récupérer un historique des requêtes saisies avec un moniteur de requêtes. On peut gérer les pertes de connexion. Très pratique pour les environnements où on est en Wi-Fi par exemple, ou en industrie où la connexion saute de temps en temps pour une raison ou pour une autre, ou quand on est sur une application mobile pour tablette ou smartphone.
et que la connexion peut éventuellement se couper quand on est en GPS, enfin en 4G. Et en fait, la gestion des paires de connaissances, pardon, des paires de connexions, ça commence. Donc la gestion des paires de connexions, en fait, elle se fait aussi avec un cache éventuel de la base de données. Donc on peut avoir une version de la base en local qui se synchronise avec une base distante quand la connexion fonctionne. On a des mises à jour différées, on peut gérer des transactions, des requêtes multibases, donc tout ça sur des bases de données qui, à la base, ne gèrent pas ces fonctionnalités-là. Donc FireDAX, c'est un ensemble de composants. La base de tout, c'est le TFDFIS pour Physical Driver, avec le nom de la base sur laquelle on veut travailler. Et en fait, grâce à cette architecture, on a des bases SQL classiques, donc locales ou distantes, enfin, donc, enfin, je veux dire client-serveur ou local. On peut aussi travailler avec des bases NoSQL, et on a notamment dans la version entreprise et architecte des composants MongoDB, pour pouvoir accéder à des bases comme ça sans passer par SQL, mais en utilisant des composants standards de FireDAC. Et on a l'éditeur CData qui propose un ensemble de composants de driver physique qui map en fait des API de services en ligne sous forme de base de données. Donc on peut accéder en SQL directement à Google Agenda par exemple en utilisant le composant correspondant. Vous avez la liste directement sur le site qui est indiqué cdata.com/firedac. Et j'en reparlerai. Donc les composants et drivers permettant un accès à des bases de données locales sont disponibles à partir des éditions professionnelles Community de Delphi, C++ Builder et RAD Studio. Tout ce qui est client-serveur est disponible à partir de la version entreprise, donc c'est entreprise et architecte évidemment. Et quand on dit client-serveur, c'est Oracle, SQL Server, MySQL pour la partie distante et tout un tas d'autres, dont je vais vous montrer la liste rapidement aussi. Concernant les composants CData, donc l'accès à des services en ligne par du SQL, ils sont disponibles sous forme d'abonnement annuel, ce qui se justifie très bien par la maintenance nécessaire de toutes ces API, et sous forme de deux packages. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Bernstein et donc Maxime Capello, qui distribue ces composants-là. Oui, et donc évidemment, FireDAC est le framework de base de données recommandé à l'usage maintenant pour toutes les applications développées sous Delphi et C++ Builder, puisque c'est le plus évolué à ce jour, fourni avec l'environnement de développement. Donc, maintenant l'AVCL. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, l'AVCL, en fait, c'est le framework historique de composants de Delphi. Ce sont des composants visuels ou non visuels. Donc, les composants visuels, c'est tout ce qui est visible à l'écran, en fait, hein. Des champs de saisie, des textes, des boutons, des images. Et les composants non visuels, c'est un ensemble de composants qui permet d'accéder à des API du système ou de déclencher des événements sans qu'il y ait une interaction réelle avec l'utilisateur. C'est par exemple le cas des bases de données, évidemment, des timers, notifications et tout un tas d'autres fonctionnalités qui fonctionnent sous Windows depuis la version 3.1 et jusqu'à la 10 actuellement. Donc l'AVCL, il y a eu une version 16 bits qui n'est évidemment plus disponible, hein, puisqu'elle était sur Windows 3. La 32 et la 64 sont actuellement fournies avec Delphi. Donc c'est la compilation 32 et 64 bits pour Windows. L'AVCL n'est pas disponible pour autre chose, sauf à utiliser des composants ou des frameworks extérieurs qui font du mapping d'API Windows vers autre chose. Voilà. Et donc l'AVCL est intimement lié à Windows puisque ce sont essentiellement des accès à l'API du système d'exploitation. Donc dans l'AVCL, on a trois types de composants, des composants non visuels, des composants visuels et des composants visuels de base de données. Ce qui est une grosse différence avec FireMonkey dont on parlera le 30 octobre. Les composants visuels, d'une manière générale, c'est tout ce qui permet de faire une interaction avec l'utilisateur à l'écran, donc cliquable à la souris, utilisable au doigt sur les écrans tactiles ou clavier. Et les composants visuels de base de données, ce sont des composants qui sont visuels, donc des champs de saisie et ainsi de suite, enfin, le même style de composant en fait, un sous-ensemble, qui est directement relié à des tables qui historiquement étaient faites pour être utilisées avec le BDE.
Non, je vais vous montrer dans les exemples juste après quelle est la différence entre les deux. Donc en fait, sur les composants de base de données, enfin visuels liés aux bases de données, on a directement les champs sur lesquels ils doivent pointer, alors que sur les composants visuels simples, c'est à nous de gérer l'éventuel lien vers une base, ou de les remplir à la main par programmation. Donc pour utiliser FireDAC avec la VCL, en fait on a plusieurs solutions. Soit faire le codage à la main, ce qu'on va faire dans un des exemples, soit utiliser les composants liés aux bases de données, comme on le faisait jusque-là avec le BDE, ADO et DB Express, soit utiliser LiveBinding. Donc vous avez pas mal de tutoriaux sur développer.com qui sont plutôt bien réalisés, et potentiellement un prochain webinaire ou une vidéo en ligne de présentation de tout ça. Donc je vais vous montrer des exemples pour les trois technos. Et je suis allé plus vite que prévu, donc allons-y. Alors, de façon exceptionnelle, parce que je suis un peu foufou aujourd'hui, on va se le coder à la main. Alors déjà, je vais vous faire une petite présentation rapide de la première application qu'on développe en Delphi en général, si on suit le guide utilisateur d'origine, c'est-à-dire le bon vieux affichage des poissons à partir d'une base de données gérée avec le BDE. Donc le BDE, il y a une petite subtilité pour ceux qui l'utilisent encore ou qui voudraient convertir des bases existantes de Paradox et des bases, c'est que sous Windows 10, il ne fonctionne plus de base. Il y a des problèmes techniques, donc pour ça, hop là, vous pouvez aller sur developerpascal.fr dans la partie base de données, ici, bon, Database Engine, et là vous avez une explication de comment configurer le BDE pour que ça fonctionne correctement sous Windows 10. Donc, en éditeur, je vais y arriver. En tant que développeur, mais aussi derrière, si vous avez besoin de diffuser des applications anciennes qui fonctionnaient avec le BDE, il faudra faire ces modifications-là aussi sur les postes clients pour que ça tourne. Bon, évidemment, c'est pas recommandé de continuer à utiliser le BDE sur du Windows 10, hein, parce que il a besoin du mode d'administrateur pour la moindre configuration et il est écrit par défaut dans des dossiers dans lesquels on n'a plus le droit d'écrire. Mais si vous voulez l'utiliser, vous avez encore cette solution-là. Donc, c'est la version française de plusieurs tutoriaux qui sont en anglais que j'ai trouvé au fur et à mesure de mes recherches. Donc, ici, j'ai évidemment configuré sur ce poste-là la config, enfin le, ce qu'il me fallait pour travailler. Donc, je vais commencer par créer une application VCL. Voilà. Donc, une application simple, hein, un grand classique du genre. Et pour accéder à la base de données, en fait, on a les bases de démo au niveau des exemples fournis avec RADstudio, Delphi et C++ Builder que je retrouve ici. Voilà. Donc là, en fait, on a un ensemble de bases de données de démo et on peut piocher dessus en fonction du type de base. Donc là, pour tout ce qui est BDE et autres, le chemin d'accès sert de base de données. Donc je vais copier ça une bonne fois pour toutes. Alors allons-y, première application Delphi. Hop, donc il me faut un T-table. Voilà, avec le BDE. Oui, juste avant de commencer quand même. Le BDE, donc le BDE c'est ça. Ce sont ces composants-là. Donc il n'y avait pas grand-chose à l'époque, hein, mais suffisamment pour faire de l'accès séquentiel à une table de base de données. Faire des requêtes SQL en création, mise à jour, suppression et consultation, et gérer des sessions. Ensuite, on a eu DB ADO. Donc ADO, il se cache sous la partie DB Go qui est ici. Donc même principe, même type de composant, une connexion ou un dataset, des tables, query et ainsi de suite. Donc sur le principe, on a un accès à la base de données. Ensuite, on a un accès à une table ou une sélection d'enregistrement. Et après, on a un data source qui se greffe sur le dataset, et après le data source, on a des composants visuels qui accèdent aux données. Donc ça, c'était bon. Et donc ADO, ici, pardon, DB Express. Donc DB Express, il y en a un. Il y a les équivalents, donc la connexion à la base, du query ou du table, un dataset autre, et un moniteur éventuellement pour savoir ce qui se passe dedans. Et derrière tout ça, ça se greffe sur, alors il est où? Le petit il est là, sur un data source. Et après on a d'autres composants qui permettent d'être utilisés, notamment sur DataSnap et d'autres frameworks. Donc, première appli du BDE, donc un T-table.
Voilà. Un T-data source. Une grille. Donc là, j'utilise des composants TDB quelque chose de la VCL pour avoir un lien direct avec les composants. Un navigateur, donc TDB navigateur. Un TDB image pour voir les images des poissons. Donc ça, je le mets en grand. Lui en dessous. L'image à droite, que je vais un peu élargir, histoire de voir le poisson correctement. Donc ces trois composants-là, donc les composants visuels liés à la base de données, sont rattachés à un data source. Et mon data source, il va être rattaché au dataset, c'est-à-dire le table ou le query qu'on utilise. Donc là, en l'occurrence, un T-table. Et mon T-table, si je le retrouve dans la liste, il le cache là. Donc mon T-table, en fait, je le rattache à une base de données. Donc là, en l'occurrence, le chemin d'accès au dossier dans lequel se trouvent les démos. Ce qui me permet d'avoir la liste des tables qui apparaît dans le table name. Et donc je choisis la base BioLife. J'active. Donc là on a la grille, parce qu'elle est rattachée au dataset. Et sur le DB image, en fait, il faut lui donner le champ qu'on affiche, puisque c'est un composant lié à un champ unique et non une liste. Donc lui par contre c'est data field. Et donc je choisis graphique. Voilà. Donc j'exécute ça. On a notre première application de base de données faite à l'ancienne. Évidemment, vous aurez les exemples hein, en téléchargement aussi. Voilà, donc pas une seule ligne de code pour faire un petit exemple avec une base de données existante. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avec le BDE, donc le framework d'origine. Évidemment, on est là pour parler FireDAC. Donc je vais faire la même chose en FireDAC. Pardon, je ferme le fond du projet. Là, je suis sur un MacBook, donc j'ai le touchpad à la place de la souris. Parfois, ça me perturbe un peu. Donc, ici, donc, je suis sur un nouveau projet, application Fiche VCL. Voilà. Donc, même chose, projet vierge. On lui rajoute un TDB grid, un TDB image, un TDB navigateur. Même chose que pour l'autre. Un T-data source. Puisque les composants visuels liés aux bases de données passent forcément par un data source. Et maintenant, la connexion elle-même à la base de données, là en l'occurrence, je vais passer par du interbase puisque je n'ai pas de base facile d'accès pour celle-ci. Enfin, je n'ai pas d'autres formats en fait dans les démos. Donc pour ça, j'ai besoin d'un TFD connexion qui donne accès à la base de données et un TFD table qui va faire la sélection de la table qui nous intéresse. Alors, allons-y. Donc déjà, les composants visuels, donc ils sont rattachés à la data source. Ça ne change pas, même fonctionnement qu'avant. Et je vais les aligner pour les avoir de façon plus pratique. Donc ça en plein écran. Le DB image à droite. Hop. Et hop. Et le navigateur en bas. Ensuite, nous avons donc la connexion, donc il va falloir la rattacher à ma base interbase. Donc là, je passe par l'éditeur de connexion. Je choisis son type, donc en l'occurrence ib.interbase. Là, ce sont les autres bases de données qui sont actuellement installées sur ma version entreprise de Delphi, pas de RAD Studio. Donc, vous voyez, il y a un peu de choix. Par contre, les noms sont abrégés, donc il faut les retrouver dans la doc suivant ce que vous cherchez. Donc ma base de données, même chose en fait, c'est le chemin d'accès avec le nom du fichier. Donc là je recolle mon chemin et je vais chercher un fichier dbDemo qui est en fait celui qui m'intéresse et qui contient la table BioLife. Il lui faut un user, donc le classique, hein, 6DBA master key par défaut, que vous devez évidemment changer si vous utilisez une base interbase quelque part. Je teste ma base, enfin ma connexion, pardon. La connexion fonctionne, c'est bon, ok. Je désactive le login prompt, sinon la connexion, ça me redemandera l'user password à l'écran.
Et j'active ma connexion. Donc là, j'ai l'accès à la base de données interbase. Maintenant, je m'occupe de la table. Donc la table, elle est rattachée à la connexion. Ça, c'est bon, ça l'a fait automatiquement quand on crée les composants, en fait. Quand on crée une connexion en premier, sur le dataset, il le rattache à la première connexion qu'il trouve, ou la seule. Et ensuite, il enchaîne les choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma table qui est rattachée à une base de données. Je vais lui donner le nom de la base, table name, voilà. Donc c'est BioLife, hein, évidemment, comme pour l'autre. Et je l'active. Voilà. Maintenant, on passe au data source qui va se rattacher au dataset et voilà. Donc là, pareil, la grille était rattachée au data source, donc par défaut, elle récupère toutes les lignes. Le navigateur, pareil. En revanche, le DBImage, il a besoin d'un nom de champ, comme tout à l'heure. Donc là, la source ayant une information de contenu de la table, je peux aller récupérer les data fields et lui mettre graphique comme nom. Peut-être changer un peu la forme du truc. Voilà, donc toujours sans aucune ligne de code, on a fait un deuxième exemple de programme qui utilise une base de données, et là en l'occurrence avec FireDAC. Donc le fonctionnement est exactement le même que les anciens frameworks d'accès, il n'y a aucun souci là-dessus, et évidemment on peut faire des modifications et des suppressions comme on le faisait avant directement en modifiant les données. Donc là, c'est en utilisant les composants historiques de la VCL pour l'accès aux données. Alors le problème de ces composants, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. En fait, en TDB, si je reviens là-dessus, oui, c'est pas grave. En TDB, et s'il me fait TDB, voilà, on n'a que ça, sur les 300 ou 400 composants par défaut qui existent dans la VCL. Donc forcément, ça limite pas mal les interactions, donc on va s'amuser maintenant à accéder à des composants qui ne sont pas dédiés aux données sur un nouveau projet. Alors pareil, je ferme celui-ci. N'hésitez pas à poser des questions hein, en même temps. Enfin, je les verrai après, mais je pourrais revenir sur les différents exemples si vous avez besoin. Donc là, je recrée une nouvelle application VCL Vierge. Et même chose, donc là, je vais commencer par les accès à la base, donc le TF des connexions. Juste pour la blague, FireDAC c'est tout ça. Alors TFD. Il y a quelques composants dans FireDAC. Hein. Contrairement aux 6 ou 7 qui sont dans les anciens frameworks. Et pour Interbase, c'était ça. Alors donc on a besoin d'une connexion que je vais paramétrer tout de suite. Éditeur de connexion, donc la même chose que tout à l'heure, hein, je choisis interbase. Ici, je donne donc l'accès à ma base de données qui doit être au même endroit. Tac, tac. Voilà, 6 d'ailleurs. Pas la peine de tester, on a vu que ça fonctionnait. Là, je désactive le login, j'active la base de données, on est connecté, c'est bon. Maintenant, je rajoute une table, donc même chose, en fait elle par défaut, connexion, elle se rattache au FD connexion puisqu'il existe dans la fiche. Table name ici, donc je vais remettre BioLife, voilà, et je l'active. Et maintenant je vais reprendre la même interface utilisateur qu'avant, sauf que je n'ai pas utilisé les composants de base de données. Donc pour la liste, on va prendre un string grid. Ensuite, pour le navigateur, donc c'est pas le TDB navigateur que je vais utiliser, mais le TBind navigateur, parce que je vais utiliser LiveBinding pour remplir automatiquement les champs, toujours pour faire de la programmation sans faire de programmation. Voilà, et une image, ben je vais prendre tout simplement une image. Hop. Alors, du coup, l'image, je la mets à droite, pareil que tout à l'heure, la grille en animant client et le navigateur en bottom. L'image, on va l'agrandir un peu.
Alors par contre, le composant image n'a pas le même fonctionnement que le DB image. Du coup, par défaut, il ne fait pas de stretch sur le truc, mais on peut s'amuser à faire un autosize et ainsi de suite. Enfin, on peut gérer les propriétés dessus pour le faire. Alors là, je n'ai pas de champ qui permette de se relier à un data source. Hein. Là, il n'y a rien. Et du coup, bah, je vais être obligé de le faire autrement. Et pareil, de toute façon, je n'ai pas créé de composant data source sur l'écran. Donc, un clic droit sur la fiche, lié visuellement, ça ouvre l'assistant Live Binding. Donc là, on a en fait les composants sur lesquels on peut faire des liens automatiques. Le composant principal, c'est la table, avec l'étoile qui sert au curseur de positionnement. Donc le curseur de la table, je vais le relier au curseur côté navigateur. Du coup, quand je vais bouger, alors je remonte un peu, quand je vais utiliser les flèches ici, ça va déplacer le curseur au niveau du navigateur qui sera synchronisé avec celui de la table. Ensuite, ma grille. Même chose, c'est une grille, donc une liste d'informations, je la synchronise avec l'étoile, pareil. Et il sait que c'est une grille, donc il va remplir complètement la liste. Enfin, en fonction du nombre d'enregistrements qu'on lui autorise ou pas dans les paramètres, hein, puisqu'évidemment, FireDeck permet de gérer la pagination. Donc là, on a la synchro, et du coup, pareil, si je bouge au niveau du navigateur, ça va déplacer le curseur au niveau de la base, et ça le déplacera automatiquement sur la string grid. Et enfin, bah, mon image, en fait, je vais la rattacher pas à la liste. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. Pardon. Mon image, je ne vais pas la rattacher à la liste, mais à un champ particulier, comme je le faisais tout à l'heure avec le DB image. Donc là, en l'occurrence, c'est le champ graphique, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, aucun composant de base de données, aucun code, enfin aucune ligne de code, il se débrouille tout seul avec le Live Binding. Alors Live Binding, là c'est la version simple, hein, le truc le plus classique pour gérer les programmes, je vais exécuter ça. On peut faire beaucoup plus de choses avec, et du coup je vous incite à vous intéresser à la question. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais... pendant qu'il compile Rapidos. Sur le site, en fait, vous avez sur le blog, vous avez une partie série sur laquelle j'ai aussi quelques listes de tutos ou des thématiques. Et là, en l'occurrence, sur la partie Live Binding, j'ai repris les différents tutos que Serge Girard a écrit sur développer.com et quelques vidéos qui viendront s'ajouter au fur et à mesure sur cette page-là. Donc n'hésitez pas à vous reporter à cette page si vous voulez en savoir plus sur Live Binding. Vous aurez l'accès direct aux différentes informations qu'on a en français sur développer ou sur d'autres sites. Pour en venir à l'application, donc elle a été compilée, et du coup bah, j'ai le même fonctionnement qu'avant, hein. Je me déplace comme je l'aurais fait avec des composants de base de données, ou du VDE, ou du ADO, ou du DB Express. Donc là en l'occurrence j'ai pas dit que c'était en édition, donc il reste en lecture seule, mais évidemment on peut aussi s'en servir pour faire de la mise à jour. Et c'est le Live Binding qui gère le fait qu'on change une cellule, ou un champ de saisie, et qui rapatrie les informations sur les différents éléments. Donc là, si je rajoute quelque chose, ça le fait. Et si je supprime une ligne, il le fait aussi. Hop. Donc là, on a deux des trois versions pour accéder à des bases de données en FireDeck. Et je vais vous montrer la troisième avec du vrai codage. Donc là, pareil, je ferme cette fenêtre. Moins de quart, on se laisse 10 minutes, oui, ça devrait faire. Sinon, je vous ouvre la version finale, mais c'est moins drôle. Autant le coder à la main, on verra à quelle vitesse on peut le faire. Donc, nouveau, fiche, donc application VCL toujours. Donc là, j'ai simplement géré une petite liste avec des éléments dedans, donc j'ai besoin, dans Edit, de trois boutons pour ajout, modifier et suppression. Hein. Et la liste. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une listbox, toute simple. Et pour gérer la base de données, en fait, je ne vais pas m'embêter à créer une base interbase SQLite ou autre. Je vais juste utiliser un composant de base de données que FireDeck propose, qui permet de faire des bases de données en mémoire, et qui gère tout seul le fait d'être récupéré dans un fichier si on utilise les informations de persistance que je vais utiliser dans d'autres cas, ou qui permet de faire des chargements depuis d'autres bases, de faire des sous-sélections depuis une autre, et de faire des liens entre différentes
tables de bases de données éventuellement différentes suivant les assemblages de composants qu'on prend. Donc là, je vais prendre un même table. Voilà. Donc ma base de données en mémoire, hein, donc là pour l'instant elle n'a aucun lien avec quoi que ce soit, je vais lui créer des champs. Donc là en l'occurrence, je vais juste lui créer un champ libellé de type string. Voilà. Et coup de chance, contrairement à l'autre ordinateur, j'ai encore accès à ce truc-là qui n'est pas parti de l'écran, donc je peux le fermer. Donc là j'ai une base, enfin j'ai une table en mémoire que j'irai directement dans le DFM en fait. Hein. Donc si vous mettez des données ici avec cette fonction-là, ok, on les retrouve dans le source du DFM. Que je vois par LTF12 que j'ai pas sur le clavier, donc hop. Voilà. Donc là la version binaire du contenu de la table. Donc méfiez-vous quand même si vous utilisez des FT memtable à ne pas mettre trop de données à l'écran, plutôt les charger depuis un fichier extérieur quand vous en avez besoin, comme fiche. Plutôt que de tout intégrer dedans. Et puis évidemment, comme on le fait sur les autres systèmes, hein, l'utilisation d'un T-Data module est quand même beaucoup plus pratique que de tout mettre sur une fiche pour séparer les composants de base de données qui peuvent être utilisés sur plusieurs fiches et l'affichage réel. Donc là, en l'occurrence, pour les démos, il n'y a besoin que d'un seul écran, donc je le fais en direct. Après, dans vos programmes, utilisez plutôt un data module pour regrouper les informations non visuelles et les sortir des fiches pour les utiliser sur plusieurs sans les ressaisir. Donc, nous avons une base de données. Là, elle est bonne. J'ai ma liste qui va aller afficher les informations venant de la base et je vais créer mes trois boutons en perdant les champs qui sont derrière, évidemment. Donc, toi, je te passe en arrière-plan. Position. Non, c'est basse pour les enfants. Non. Hop. Voilà. Le double clic est trop sensible. Mon champ de saisie, je le mets là. Et mes trois boutons, je vais les mettre les uns à côté des autres. Voilà. Vous remarquerez sur l'éditeur de la vaisselle, on a. Sur le concepteur de fiches, on a un système de positionnement qui est bien pratique. Donc lui, ce sera un bouton ajout. Le texte caption ici, donc ajout. Et suppression. Voilà, le champ de saisie ne bouge pas. Et là-dedans, en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se débrouiller pour qu'au chargement, enfin à l'ouverture de la fenêtre, le FDMemtable aille récupérer les données qu'on a stockées la fois d'avant, et les affiche directement là-dedans. Donc pour ça, un peu de live binding, pour gérer le lien entre le FDMemtable et la liste. Donc là, la listbox, en fait, c'est plus une étoile, c'est affiché comme 5. Donc même chose, c'est le curseur, en fait, qui est l'un à l'autre. Donc là, on a un positionnement qui sera identique. Si on se déplace dans la listbox, il se déplacera dans l'ensemble de données. Par contre, il nous faut quand même quelque chose à afficher. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le libellé et je le rattache. Et comme j'avais mis quelque chose dans l'écran, enfin dans ma table, il me les affiche directement. Je pourrais aussi mettre un bind navigateur si on veut. Là, en l'occurrence, il ne servira à rien. Donc je fais juste le lien entre la liste et la source de données, histoire d'avoir quelque chose qui bouge en même temps que ce qu'on veut. Donc maintenant, création de la. Enfin ouverture de la table. Donc là, en l'occurrence, par défaut, on va dire qu'elle est active, ça c'est bon. À l'ouverture de la fenêtre, on veut aller chercher un fichier qui stockera la base de données. Donc pour ça, on a plusieurs façons de stocker des données en hors base de données réelle. En l'occurrence, ce sont les composants storage. Stan Storage qui permet de savoir dans quel format on stocke. Donc en fait ces composants-là sont non visuels mais ils servent juste à récupérer les bonnes unités qui seront ajoutées automatiquement par le concepteur de fiches. Donc là je veux faire du stockage en JSON par exemple. Donc je rajoute mon composant JSON. Revenons-en au programme. Donc allons-y. Donc ça cette unité contient tout ce qui me permet de faire de l'accès au chemin d'accès directement. Je vais stocker un fichier dans le dossier mes documents. Hein.
Et pour leur y accéder directement sans mettre en dur, je vais passer par les fonctions qui sont multiplateformes et qui sont disponibles sur les classes tpass, tfile et tdirectory, contenues par le système.io utile. Donc là, hop, filename string. Donc tpass.combine. Ça permet juste d'ajouter le backslash ou le slash suivant le système sur lequel on est. GetDocumentPass, ça nous récupère le chemin d'accès à mes documents. Et là, je vais mettre mon nom de fichier, ma base demo.db. Voilà. Donc, ça c'est bon. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au composant memtable qu'il doit piocher sur ce fichier-là. Alors, tfd, hop. Pardon, fdmemtable. Un coup de contrôle D pour mettre ça en place. Voilà. Hop, fdmemtable. Un point. On était sur les options, c'était ressources. Alors, juste pour la petite histoire, ici. Le composant memtable, c'est comme un composant tétable ou tquery, mais il y a pas mal de fonctionnalités en plus. Et là, en l'occurrence, sur les ressources, on peut gérer la persistance du fichier, ce qui va permettre derrière qu'il aille chercher tout seul ce qu'il y a stocké dans le fichier et qu'il fasse la mise à jour à la fermeture de l'application quand on détruit le composant. Donc, ressources options, point persistante, filename, je vais mettre filename. Voilà. Et fdmemtable, toc, point ressources options, point persistant. À trou. Voilà. Alors ça dégage. J'ai installé récemment. Donc ça c'est bon. Donc là en fait il va aller chercher le fichier ma base démo dans mes documents à l'ouverture de l'application et enregistrera les mises à jour au fur et à mesure. Donc là si je l'exécute. On devrait rien avoir à l'écran. Pas de bol. Il a gardé ce qu'il y avait en mémoire. Parce qu'en fait, le fichier n'existe pas, donc il garde la configuration qui était actuellement sur l'ensemble de données. Et du coup, est-ce qu'il l'a créé? Donc on était sur mes documents. La base démo est là. Et si je l'ouvre. Alors j'ai un stockage qui est géré automatiquement. Par contre, ça, contrôle de... Je vais passer en JSON. J'avais dit quoi, JSON hein. Ouais, je vais passer en JSON en simplifiant le truc. Donc, je vais mettre l'extension de JSON dedans. On réexécute. Normalement, il me crée un fichier JSON avec le contenu visible. Voilà. Ici. Voilà. Donc, en fait, dans le fdmemtable a un équivalent de load from file et save to file, et c'est ce qui sort. En fait, la structure de la base de données, donc en l'occurrence un seul champ avec le type string, et puis les données derrière. Et donc ça, en fait, on peut l'importer ou l'exporter un peu n'importe où, dans la plupart des composants liés à FireDAC pour les données, et notamment bah, les changer entre plusieurs applications via TCP/IP, du Bluetooth ou autre chose. Donc, j'ai mon lien avec la base de données qui se fait correctement, l'enregistrement et l'ouverture de la base se font, maintenant on va gérer les boutons. Donc le ajout, on va passer l'ensemble de données lynx de edit 1.text, il manque le e, c'est pas grave, regardez, edit 1.text. Oui, c'est ça. Si c'est supérieur à 0, donc s'il y a quelque chose dans le champ, des lignes, and, hop, on passe à la main l'ensemble de données en insertion. Parce que je suis sur le bouton d'ajout, donc fdmemtable 1.insert. Je vais remplir sa valeur. Et j'enregistre
.post. Je valide l'enregistrement. Si j'exécute ça, voilà. À aucun moment je n'ai touché à la listbox. Je me contente d'ajouter dans l'ensemble de données, c'est le live binding qui gère le truc. Si je ferme, que je le relance, on les retrouve évidemment puisqu'ils ont été enregistrés au niveau de la base. Alors on aurait dû les retrouver. Pourquoi il ne le fait pas? Ah oui, c'est à cause de ça. Il faut juste que je le vide ici. Pardon. Create, 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 create. Hop. FD, editable. Open. Close. Bon, normalement, il faudrait que je le vide au niveau de l'éditeur, mais comme ça, ce sera bien. F9, évidemment, on en manque le 1. Voilà. Tout ça parce qu'en fait, par défaut, il charge les trucs, mais les propriétés des composants sont récupérées après. Donc là, en l'occurrence, bah, il écrasait les données avec celles que j'ai ici. Les deux qui sont là. Donc là, je pourrais effacer, effectivement, ça simplifierait les choses. Mais là, j'en veux pour l'affichage à l'écran. Alors, donc l'ajout se fait. Ensuite, la modification, bah, simplement... on va faire la même chose. Hop. Si j'arrive à retrouver mon curseur. Ici. CTRL-C. Donc si je fais une modif, c'est edit. Et par contre, si le champ est vide, vu qu'on veut modifier le champ, ben, je vais passer en suppression. Voilà. Et la suppression, ben là en fait j'appelle ce qui sera appelé sur ce bouton là. Donc même chose en fait, sauf qu'on va se contenter de faire un delete, quoi qu'il arrive. Qui supprimera l'enregistrement en cours. Donc ça c'est bon, et maintenant si je veux cliquer ici, donc sur le onClick, on va récupérer edit1.text qui prend pour valeur la valeur du libellé sur l'enregistrement en cours, donc listbox1.item. L'item sélectionné, alors c'est CTRL-ALT, oui, listbox1.item index. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai mon application codée à la main. Pour faire la base de données. Donc là, si je me déplace, oui, alors forcément, c'est pas très parlant. Si je change celui-là, par exemple, orange, carotte, tomate, modif, il change celui-là. Si j'en ajoute un, ben, il me rajoute le deuxième. Ok, et si je supprime ça, ben, je supprime le edit. Donc comme vous voyez, c'est assez simple de faire une application de base de données avec FireDAC ou les anciens systèmes, hein, puisque ça fonctionnait déjà comme ça avec le BDE, en codage ou sans codage. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. CTRL-D. Oui, et donc côté base de données, donc on a ça là. Document. J'ai bien mon truc, ma base. Alors, tuto affichage avec le sublime si je le retrouve. Retour à la ligne automatique, voilà. Et donc là, on a bien les informations que je viens de taper à l'écran. Il faut juste les retrouver dans le fichier. Libellé, orange, carotte, tomate, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comme c'est du JSON, évidemment, bon. Il faudra en enlever la partie qui contient la structure de la base, mais en fait, grâce à ça, on peut aussi transférer ces informations-là à un site internet, les afficher en JavaScript si on utilise cette techno-là au niveau d'un serveur web, par exemple. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'était OK. Est-ce que vous avez des questions ?
Azric, tu m'entends? Oui. Oui, alors je ne sais pas si tu as lu la question à propos de Cbase et DBE. Alors j'ai aucune. Enfin j'ai pas affiché le truc parce que en fait ça s'écrit par-dessus l'affichage de l'écran, donc j'ai pas les infos. Je peux te la lire. Alors, Ouais. nous avons un développement sur base Cbase et DBE. Y a-t-il un moyen de passer simplement à Firedac? Alors, oui, en fait, je vais vous en faire un petit rapide. Il y a des composants de conversion de données en fait. Donc là, si je recrée. Alors là, j'utilise VSL parce qu'on est sur la VSL, mais évidemment, ça marchait en FMX, hein, on s'en fiche. Simplement, dans Firedac, on a un TDB. Pardon. Hop. Mettons qu'on a un Ttable. Donc ça, du BDE. Quelle que soit la base de données gérée par le BDE. Un TDataSource. Pas nécessaire, si je me souviens bien. Un TFDBatchMove. Qui est un composant qui permet de récupérer en entrée un certain format et en sortir un autre format, et FDMMTable par exemple, pour sortir. Voilà. Donc entre le ttable et le tbatchmove, on va faire un reader. Hop. Donc là, en l'occurrence, il lira un dataset. Et donc ce reader, il pointe sur la table, quel que soit son moteur de base de données. Et le batch move, il utilise ce reader-là, qui a dû se mettre tout seul. Voilà. Et en fait, pour l'écriture dans l'autre sens, on utilise un writer qui lui dit dans quel format on veut écrire. Donc là, en l'occurrence, je vais écrire vers une base qui sera en mémoire. Et même principe, donc on lui dit le dataset sur lequel il pointe, donc la destination. Le batch move, le writer doit s'être mis aussi tout seul. Voilà. Et donc on a juste à exécuter enfin, à utiliser la méthode execute du batch move pour transférer table 1 sur FDMMTable. Et puis après, là en l'occurrence, si un FDMMTable, ça peut être un ttable sur une connexion qui serait en Oracle, par exemple, si on a envie de transférer des anciennes versions vers une base de données plus récente. Donc hyper simple pour faire les transferts d'infos. Évidemment, on peut automatiser ça. Sur un projet ou se faire un programme qui fait des conversions tout seul. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, il y a une autre question, Patrick. Firedac est intégré depuis quelle version de Delphi? Alors, de mémoire, ça devait être la XE, mais c'est pas garanti à 100%. Ça devait Ouais, être j'aurais XE dû ou croire. XE2, mais ça fait au moins 5 ans maintenant. Mais il faut aller vérifier les datasheets en fait, de chaque version qui sont disponibles sur le site d'Embarcadero, dans les archives, ou sur l'espace de téléchargement sur Community. Ouais. Alors, une autre question, Patrick, peut-on facilement passer de l'ado en Firedac avec une base de données SQL Server? Bah en fait, même chose, au final, les composants ont le même, enfin, ont quasiment le même nom et les propriétés. Donc là, si on passe sur. Alors, j'en fais un autre. Non, on s'en fiche. ADO. Donc ADO, c'était STSQL pour les noms des composants. Pardon, ADO, c'était ADO. Voilà. Donc normalement, le TADO connexion, ça se transformerait en TFD connexion. Après, on peut aller bidouiller directement le DFM hein, si on veut changer les informations. Il y a aussi des outils qui permettent de convertir certaines choses. Le TADO table, si on en fout un là. Lui, grosso modo, il a une connexion, donc il pointe sur le TADO connexion. Je vais faire les deux, comme ça ce sera plus simple. D'ailleurs, Maxime, je pense qu'il faudra qu'on se fasse un webinaire sur les conversions d'anciennes versions vers des nouvelles. Ce sera l'occasion de rentrer plus dans le détail de ce genre de choses. Donc on a un TADO connexion, un TADO table. Donc là, si je fous, on s'en fiche. Donc là, en l'occurrence, je vais transformer ça en Firedac. Je vais simplement dans l'éditeur, en texte, c'est celui-ci, donc Alt+F12, hein, pour ceux qui ont les touches qui fonctionnent correctement sur le clavier d'un PC. Et là, bah, je remplace ici ça par tout simplement TFD table. Et TFD connexion. La plupart des paramètres sont conservés, certaines propriétés sont à changer, après il faut faire des tests pour voir lesquels on utilise et lesquels doivent être remappés derrière. Mais globalement, c'est comme ça qu'on peut transférer une application avec des anciens composants vers des nouveaux. Il y a juste à renommer et puis voir si les fonctionnalités sont exactement les mêmes, évidemment. Mais ça, c'est du cas par cas en fonction des bases de données et du système utilisé.
Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de boulot derrière, parce que, évidemment, suivant quel type de ban on utilise, il peut y avoir des bidouilles. Mais tant que ça reste des datasets et des data sources, les autres composants n'ont pas à être modifiés une fois qu'on a modifié les composants d'accès à la base. Alors, Patrick, pour rebondir en fait sur la première question et le BDE, j'ai une réponse. On ne veut pas changer la base de données, mais le BDE en fait. Bah, comme je viens de le faire en fait, hein. Il suffit de renommer les tables en TF des tables, tes queries en TF des queries, et puis ensuite changer les types de connexions dessus. Au lieu d'avoir un T database qui était fourni avec le BDE, on a un TF des connexions. Là, c'est juste une histoire de mapping, de mapping de noms de composants et de noms de propriétés. Donc, regardez celles que vous aviez dans le DFM pour l'ancien et mettez les bonnes sur le nouveau. Petite chose à savoir, c'est que le DFM pouvait être binaire ou en version texte comme là. Donc si vous ne pouvez pas voir en clair le fichier dans un éditeur de texte, vous avez un petit outil qui était dispo sur le site de John Colibri. J'ai plus le lien en tête. Ça doit être sur Pascal ici. Ouais, je ne sais plus, mais à ce moment-là, recontactez-nous et puis je vous redonnerai le lien pour le petit outil qui permet de convertir du binaire, enfin, du DFM binaire en DFM texte. Puisque ça, en fait, on peut le modifier dans n'importe quel traitement de texte, enfin éditeur de texte, pardon. Et du coup, ben, on se fait toutes les fiches d'un projet juste par un recherche et remplace dans tout le projet. Évidemment, il faut tester derrière. Patrick, j'ai d'autres questions. Ouais. Avez-vous un exemple d'utilisation de FDScript et en particulier le passage, donc plusieurs paramètres à un script SQL IB Firebird? Là non, il y en a dans les docs, mais à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer un message pour que je pense à l'intégrer sur la prochaine version, enfin sur le prochain webinaire, parce qu'on parlera de FireDAC et FMX, mais du coup on aura juste la partie live binding, et puis après je pourrais rentrer un peu plus dans certains composants pour le bidouillage. Juste par rapport aux exemples, donc on en avait plein ici. Alors, hop, ici, qui sont fournis avec Delphi, RStudio et C++ Builder. Donc dans les exemples, vous avez dans la partie Object Pascal ou CPP pour C++, hein, une rubrique Database. Et là en fait, vous avez une arborescence gigantesque avec plus d'une cinquantaine d'exemples inclus les uns dans les autres. C'est juste que je les retrouve dans le bon dossier. Ça doit être simple, tout simplement. Et ensuite, vous en avez d'autres en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, tous les composants ont une démo avec où ils sont utilisés. Et si vous cherchez une démo par rapport à un composant particulier, sur le DocWiki, alors que je rouvre ça, sur docwiki.embarcadero.com, donc la doc officielle, hein. Ici. Ah, évidemment, je ne suis pas sur le bon lien de base. Je disais donc, sur le DocWiki, en fait, vous avez code exemple. Et là, vous avez en fait une page sur laquelle on a tous les composants avec la liste des exemples dans lesquels ils sont utilisés. Donc, si vous cherchez des démos par rapport à un composant particulier, vous pouvez le retrouver par là. Ça doit être celui-ci, fonctionnalité. Hop. Non, c'est l'autre. Alors, est-ce qu'il est en bas de page? Bon, après, évidemment, par le moteur de recherche, on peut aussi le trouver directement ou directement dans la doc. Bon, ça, c'est une page à rallonge. Je ne vais peut-être pas toute la parcourir. Le lien devait être en haut. Là, allez. Code exemple index. C'était celui-là. Ça doit être celui-là, en fait. Application. Par unité. Bon, il traîne quelque part par là, mais normalement vous avez un lien par rapport aux composants directement, et du coup vous pouvez retrouver les différentes démos de la FireDAC. Ah, c'est ça. FFD. Hop, find first, find next. Je retrouve le lien, je le mettrai sur le blog.
Voilà, mais effectivement sur les scripts, il faut que je vois pour un exemple. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.